Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan de la société. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si toujours pas fait. N'hésitez pas sur tout ce qui est en description. Aujourd'hui, ça sera le bilan du mois de janvier. Je sais pas, en positif, parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 12, vous le voyez en bas, je vous mettrai une petite flèche, le 12 février, donc on est en mi-février, et la fin février va arriver, et du coup, je vais tourner le bilan du mois de février. Aujourd'hui, l'entreprise est en positif, vous verrez tout à l'heure, parce que à l'heure où je vous tourne le montage du bilan du mois de décembre, alors vous l'aurez déjà vu, mais le bilan du mois de décembre n'est toujours pas sorti. Il est encore sur le montage. Mais j'essaye d'avancer au plus vite. Normalement, si tout va bien, moi je sortirai à partir de la semaine prochaine. Là on est le 12, on est dimanche 12, donc lundi ça va être le 13. Donc je vais essayer d'avancer au plus vite. On va commencer pour le bilan du mois de janvier. Je pense que je vais mettre ça en titre, hein. Je vais mettre bilan du mois de janvier en positif, parce que c'est légèrement négatif au mois de janvier. Et là, comme j'ai redémarré un nouveau mois, et ben là je suis en positif. On commence. Vous, comme d'habitude, vous allez voir un joli fond avec des écritures, comme d'habitude. On va commencer bilan du mois de janvier. On va commencer par les revenus comme d'habitude. Bah oui, c'est logique. Revenu livraison. Moi, il n'y a que les revenus de livraison pour l'instant. Donc, revenu, on est à 64 701 euros. Je dirais pas le reste. Dépenses, dépôts et frais, on est à 25 342 euros. TVA sur le revenu, c'est 12 940 euros. Et des poussières, hein, j'allais dire 27 centimes, mais oui, voilà. Frais entreprise, bon, on a que l'assurance du camion, comme on a qu'un seul véhicule, on a donc 500 euros. Salaire, on est à 9 252 euros et des poussières. Passons bénéfices et impôts. Bénéfice brut, on est à 16 666 euros. Oui, il y a beaucoup de 6, hein. Aujourd'hui, voilà. Enfin, il y a eu une promotion sur les 6, on en a profité. Non, je rigole. Impôts, on est à 4 416 euros et en bénéfice net, on est à 12 249 et les poussières. De toute façon, je vous mets le diagramme actuellement au sujet courbe. Donc vous voyez, elle n'a pas beaucoup augmenté par rapport au mois de décembre, etc. Parce qu'il y a eu pas mal de dépenses. Voilà, et puis j'ai amené moins de revenus. Tant, ouais, c'est pas le. Si, si, c'est le celui que j'ai amené le plus de revenus. Comme on a eu peut-être dit en octobre les 74 000, donc c'est ça qui fait que c'est plus gros en termes de revenus. Mais en bénéfice, c'est pas plus élevé. Hein. De toute façon, on aura des bénéfices plus élevés. Au sujet du compte en banque, hop, il est en positif. On n'est plus en négatif. On est à 9 629 euros. Voilà. Ah, de toute façon, vous, ça affiche exactement. Pour le compte en banque de l'entreprise, c'est cool. Je dis peut-être. Donc, prenez ça avec des pincettes. Parce que je sais que peut-être qu'il y en a qui attendaient que je recrute. Mais je vais peut-être pouvoir bientôt recruter. C'était pas le cas sur l'autre entreprise où j'avais acheté mon ensemble. Et c'était l'erreur à ne pas faire. Mais comme je vais racheter un autre camion d'occasion, donc je pense que voilà, je vais recruter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas parce que même si on est à plus de 9000 euros sur le compte en banque, ben il y a le salaire, il y a pas mal de choses qu'il faudra rajouter pour le mois de février. Mais je vais ramener quand même pas mal d'argent. Donc tout doucement, on va pouvoir embaucher les gens. Tout doucement. Bon, pour la première année, je pense pas qu'on sera des chauffeurs. Mais je pense d'ici 2 ans de la boîte, on aura des chauffeurs. Et peut-être quelques tractionnaires, on verra bien. Je pense que j'ai tout dit, hein, au sujet de la boîte. Voilà, maintenant on est en positif. C'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à investir sur un deuxième camion d'occasion. Ce qui coûte le plus cher en termes d'occasion, c'est le skin avec la peinture. Les accessoires que je rajoute moi, c'est secondaire. Je vais les rajouter au fur et à mesure. Recruter. Donc, on va vite recruter un autre chauffeur. Donc, on sera peut-être deux. Et donc, qui dit un deuxième chauffeur dit que je prends un risque. Parce que s'il me fait plus de dépenses que des revenus, de toute façon, il va dégager. S'il me ramène, de toute façon, s'il a une partie comme ma partie multi qui est tout débloquée, ou s'il a une partie cheatée, ou bref, voilà, et bah du coup, lui, il va ramener tout de suite des énormes gros chèques de valeur de marchandises, et donc, nous, on va avoir des gros chèques d'encaissement, oui, on peut dire comme ça, des gros revenus qui vont arriver directement de la part de ce chauffeur. Donc ça veut dire que lui, s'il roule, après, s'il roule comme moi, c'est vrai qu'il va nous ramener quand même pas mal d'argent. Hein. S'il roule que le week-end, bon, il va ramener un peu d'argent, mais au moins, ça va permettre de gagner 2 fois plus d'argent à peu près, non. Et ça veut dire qu'on va pouvoir évoluer dans la boîte, acheter un troisième camion par la suite. Ça dépendra l'évolution, mais par la suite, voilà.
Moi, le but, comme j'ai dit, c'est d'être au moins 10 chauffeurs maximum, pas plus. Comme ça, pour gérer, c'est tranquille. Après, entre-temps, il y aura des chefs, etc. On verra bien. Et plus tard, on aura des camions neufs. Voilà, après, l'objectif, c'est d'avoir nos propres ensembles et de pouvoir rouler indépendamment. Et voilà. Mais pour l'instant, on est très bien. Donc voilà pour cette vidéo. De toute façon, ça va être des vidéos courtes pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour l'instant qui évoluent dans l'entreprise. Plus tard, aussi, j'ai l'intention peut-être d'emprunter de l'argent pour acheter. Donc, ou peut-être que je vais l'acheter moi directement, acheter le dépôt. Parce qu'il faut savoir que le dépôt de Lyon, où on a notre siège social, parce que dans le jeu il est à nous, d'accord. Mais dans l'entreprise, non. Donc ça veut dire qu'on nous prête ce dépôt, d'accord. Et on va dire que le camion il dort chez moi. Le but, bah, c'est de l'acheter, bah, peut-être commencer à l'agrandir. Donc c'est beaucoup d'investissement, on n'a pas les moyens, donc il y aura peut-être un emprunt. Mais peut-être la partie acheter le dépôt, le petit dépôt que j'ai au départ, peut-être que on aura les moyens, nous, de le payer. Bah, ça, on verra bien. Pour l'instant, on s'occupe d'un deuxième camion. Et après, on va vite acheter le dépôt, l'agrandir, etc. Donc vous allez voir des évolutions. Il faut savoir qu'actuellement, là on est au mois de février, donc je roule tout le mois de février avec une société virtuelle, qui est Transport 24, dans mon RP, d'accord. Il faut savoir qu'au début, je roulais pour Moffret. D'accord, donc je vais reprendre avec Moffret au mois de mars. Moi, c'est juste pour le mois de février parce qu'il manquait un chauffeur. Puis ils avaient beaucoup de livraisons à faire. Je les seconde et faut savoir actuellement, là, à partir de demain, je vais reprendre la route. Là, j'ai terminé hier avec mon camion. J'ai changé mon camion parce que j'ai 2-3 modifs à faire. De toute façon, je vous montrerai l'évolution de mon camion, les modifs, etc. Moi, j'ai les modifs intérieurs aussi que je vais faire. Pendant une semaine, voire 2 semaines, je vais avoir un nouveau camion. Pas un camion qu'on a acheté, il est flambant neuf. C'est un camion qu'on nous a prêté tant que le mien soit revenu d'atelier. Donc voilà, voilou pour ce genre de news. De toute façon, vous aurez des photos, des vidéos. Et aussi sur les yogrammes, je vais bientôt rajouter. Alors, ça sera déjà fait, mais je vais rajouter les yogrammes. Parce que j'ai 2 yogrammes que j'ai tourné sur mon portable. Mais je vais vous les rajouter sur YouTube. Donc, ils vont rejoindre les autres yogrammes comme d'habitude. Mais ça va être au sujet de la société. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui sont contents, ils vont pouvoir l'évolution en off de l'entreprise, en plus de voir en off de ce qui se passe. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera très vite pour une vidéo. Alors oui, j'avais dit 9 minutes, mais là on est passé à 10 minutes. Oui, c'est ça, on a 12 minutes. Donc on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, ça dépend ce que vous verrez. Moi, je vais pas vous promettre des choses, vous verrez bien par la suite. Donc Wally, Walou, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, vous verrez. Et du coup, je vous dis bye.